François Durper, bonjour. Bonjour. Nous vous avons invité aujourd'hui exceptionnellement, mais je crois qu'on va changer vaguement de direction pour notre émission. On va se mettre à inviter des intellectuels, de grands personnages, vous en êtes. Alors, pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Alors, l'universitaire, bien sûr, vous êtes historien, mais en dehors de cette notion d'histoire pure, quel est votre rôle? Quels sont vos dadas, violon dingue, spécialités? Je suis prof à l'université de Cergy-Pontoise. J'ai fait ma thèse sur les relations entre les États-Unis et l'Afrique subsaharienne. Et donc, c'est dans cette thèse que j'ai découvert l'histoire afro-américaine. Donc, j'y suis arrivé par le biais d'une thèse de relations internationales. Et après, j'ai continué à réfléchir sur cette histoire afro-américaine. C'est un de mes champs de recherche. Je travaille également aussi sur l'école, parce que je suis à la fac, je suis prof en sciences de l'éducation. Sciences de l'éducation, c'est-à-dire comment théoriser sur la didactique, sur la pédagogie. Voilà, c'est ça. D'accord. Ouais. Bien sûr, nous vous avons invité pour une raison également, c'est que vous êtes le spécialiste de l'afro-américain. Et évidemment, j'ai un dada, ce sont les peintres afro-américains, et notamment Jacob Lawrence. Alors, on va essayer de contextualiser d'abord un contexte plus ou moins politico-sociopolitique autour de Jacob Lawrence. Jacob Lawrence est né en 1917. C'est un noir américain. C'est un peintre qui a eu un certain nombre d'interactions esthétiques avec le cubisme, le néo-cubisme, les collages de Matisse. C'est un grand peintre. Il y a eu une belle rétrospective dans un musée américain, à Philadelphie, oui, c'est ça. Alors, 1917, nous sommes dans une Amérique, je pense, relativement très pauvre. La ségrégation existe, bien évidemment. L'esclavage s'est arrêté peu de temps avant, finalement, c'est-à-dire à la fin du 19e. 1865. C'est ça. Donc, on est peu de temps avant cette fin de l'esclavage, qui, au demeurant, a perduré, je ne me fais pas d'illusions. Elle ne s'est pas arrêtée du jour au lendemain comme une lumière qu'on éteint. Donc lui, il naît en 17. Crise de 29, c'est un garçon qui a une dizaine d'années. Oui, effectivement, c'est un garçon qui naît en Caroline du Sud, d'une famille très pauvre. Hein. Son père est employé des trains et sa mère est une domestique et ses grands-parents sont esclaves. Hein, parce que l'esclavage, comme vous l'avez rappelé, c'est à la fin de la guerre civile, hein, 1865. Et il va, comme beaucoup de Noirs américains de l'époque, c'est ce qu'on appelle la grande migration, arriver dans cette ville de New York, et en particulier dans le quartier de Harlem. Ce qui est incroyable, parce que c'est un télescopage. Il vient de la campagne et il se retrouve à Harlem. Oui, beaucoup en fait fuyaient le Sud. Alors l'esclavage n'existait plus, mais les conditions étaient très très difficiles. Et donc beaucoup de Noirs américains fuyaient ce depuis les années 1910. Donc là, ça correspond vraiment à ces dates de naissance, fuyaient ce Sud pour aller dans les grandes villes du Nord, et notamment Chicago et New York. Et à l'époque où il arrive, lui, en 1930 à Harlem, du coup, il est en pleine période de ce qu'on appelle la Harlem Renaissance, c'est-à-dire une effervescence artistique incroyable chez les Afro-Américains dans ce quartier de Harlem. Donc Harlem, c'est le quartier qu'on évoque comme étant un quartier de pauvreté, mais c'est aussi, sur le plan culturel, la musique, notamment. Un quartier, un rayonnement. Alors ça, c'est intéressant de constater l'écart peut-être entre la musique et le monde artistique. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'accorde à penser que les Afro-Américains sont la matrice de toutes les musiques contemporaines. Mais on peut se dire où sont les Aretha Franklin, les Michael Jackson ou avant les Louis Armstrong dans le domaine artistique. Bien sûr. Ça, c'est intéressant, c'est une réflexion qu'on peut mener sur pourquoi la différence entre les deux. Entre musique et peinture, par exemple. Oui, parce que même s'il y a des très évident. Grands peintres, là, effectivement, on parle de Jacob Lawrence. Jacob Lawrence, moi qui suis vraiment quelqu'un d'extrêmement difficile, c'est de la grande, grande peinture. Oui. C'est de la vraie, vraie peinture. Mais parce que vous connaissez bien le monde artistique. Pictural, bien et quelqu'un sûr. Qui ne connaît pas le monde de la musique sait que Michael Jackson existe et que Louis Armstrong existe. Bien Alors sûr. L'écart entre les deux, peut-être, mais ça c'est des hypothèses, c'est que la question de l'argent, c'est que la musique a permis aux Afro-Américains de subvenir à leurs besoins. Par exemple, Louis Armstrong, il commence dans un band dans les
les bateaux à vapeur. Donc il Bien a, sûr, bah oui, il n'est pas riche, la fameuse mais il histoire. gagne sa vie, alors que c'est beaucoup plus difficile pour un artiste afro-américain de vendre ses œuvres. Et puis, il y a aussi le vecteur des églises. Hein. Les musiques passent par les églises afro-américaines. Les évangélistes, notamment. Et ce n'est pas le cas de la oui. peinture. Alors, le problème, c'est que malheureusement, on ne fait pas toujours la fête devant un tableau, mais c'est qu'il est plus facile de faire la fête avec un rythme endiablé. Notamment, je pense au jazz. Ou d'exprimer ses douleurs. Il est plus facile de créer un lien avec l'autre. Il y a quelque chose de très égocentrique. C'est collectif, voilà. Ouais. Alors que dans la peinture et dans la sculpture, il y a quelque chose d'extrêmement égocentrique, individualiste et égoïste. On n'est pas dans la globalité, mais on est plutôt dans une communion avec l'œuvre. Ce qui est aussi la difficulté muséale de la peinture, puisqu'on peut difficilement la faire sortir du musée ou de la salle d'exposition. Et même une œuvre dans la rue reste quand même quelque chose d'assez explosé, qui n'a pas cette concentration et cette capacité. Et là, précisément, musicale. Jacob Lawrence, qu'on a choisi, c'est l'un des premiers artistes afro-américains à être reconnu par le monde artistique. Mais Exactement. On est en 1940 quand il commence à être international. Oui, donc ça veut dire que jusqu'à maintenant, vous voyez, 1940, les premiers artistes afro-américains, c'est le 19e siècle. Si on Bien pense, sûr. Par exemple... à quelqu'un comme Harriet Powers, qui est esclave elle-même, elle n'est pas considérée du tout comme une artiste. Donc, maintenant, mais oui, sinon, jamais. Maintenant, ses œuvres sont dans les... Sûrement pas. Sont les, C'était sont juste les, une esclave, ça, ouais. bien sûr. Et il faut donc attendre presque un siècle pour avoir déjà cette idée qu'on a des artistes dans ce... alors qu'on a des écrivains, des musiciens. Mais je crois que l'important, c'est vraiment de rappeler que Harlem, entre les deux guerres, c'est un moment d'effervescence qui est considérable. Mais on le voit, notamment de Jacob Lawrence, qui commence déjà à être illustrateur, par exemple, pour des journaux où il y a des articles sur la ségrégation. Et lui, il se pose un petit peu comme est-ce que je suis un artiste ou est-ce que je suis un artiste afro-américain ? C'est-à-dire, est-ce que je suis un artiste complètement détaché de la condition de ma communauté ou est-ce que je suis articulé à cette condition de ma communauté ? Alors, comme d'habitude, je veux dire, moi j'ai la réponse, mais vous en pensez quoi ? Alors lui, très clairement, il est... Moi, je vois à peu près sa direction lui, créative. Lui, il est effectivement complètement articulé à sa communauté. Bien sûr. Il est notamment dans les œuvres, on le voit, vous avez parlé des collages. Il a ce lien avec l'Afrique, avec les voilà, masques africains. Il est totalement africanisé. Totalement africanisé. Ça, c'est très important chez lui. Et cet engagement est très important. Mais ça traverse un peu l'art afro-américain, de ceux qui disent, nous, on est des artistes, et le côté afro-américain passe après. Et ceux qui sont plus nombreux, qui disent qu'ils ont vraiment un rôle à jouer. Et dans le cas de Jacob Lawrence, il commence ses grandes... œuvres sur Tabou, l'histoire. Par exemple, hein. Alors Tabou, c'est les années 60. Hein, c'est les années 60. 62. Mais avant, il y a toutes les fresques sur l'histoire haïtienne. Alors là, on n'est pas aux États-Unis, mais on est dans la première République noire. Comme l'a fait Basquiat, d'ailleurs, ouais. longtemps. Enfin, lui, mais n'oublie... sa mère est haïtienne. Bien sûr. Mais n'oublions pas quand même que Jacob Lawrence est mort en 2000. Donc il a eu une carrière qui a globalement commencé dans les années 40, comme on l'a dit. Juste avant la guerre, approximativement, à la fin de la crise, au début de la guerre. Et il a eu une carrière qui a duré 60 ans. Et justement, le fait d'avoir été très africanisé et moins américanisé l'a un peu extrait du marché de l'art. Et il est finalement beaucoup moins connu que Jean-Michel Basquiat, qui, je crois, est mort à l'âge de 27 ans, à peu près dans les mêmes dates. Et on ne parle pas de Lawrence, mais plutôt de Jean-Michel Basquiat. Alors que Jacob Lawrence, et il est au Met, il est au MoMA, il est dans de grands musées américains. Ce moment des années 30, on a quand même quelques peintres afro-américains qui vont ensuite compter dans l'histoire de ce pays. Alors, vous parliez de l'œuvre Tabou, on peut en dire un mot, parce que c'est important, c'est 1962, je crois, 1963. Et donc, ce sont deux tableaux, en particulier d'un homme noir et d'une femme blanche, et l'inverse, d'une femme noire et d'un homme blanc. Alors, il faut quand même le souligner, c'est très très important. Aux États-Unis, on ne pouvait pas se marier
si un blanc ne pouvait pas se marier avec une femme noire et un homme noir ne pouvait pas se marier. Il faut quand même le souligner. Et on est dans les années 64. C'est pour ça qu'il appelle ça tabou. Hier c'est, vraiment. Tabou, c'est le dernier tabou de l'Amérique. C'est-à-dire qu'au moment où il fait cette œuvre, l'armée est déségrégée, l'école est en voie est déségrégée depuis 54, même si ça prend du temps hein, dans les faits, mais c'est l'arrêt de la Cour suprême. Les transports, 1955, le vote, 64. Donc, on a déségrégué toute l'Amérique, mais on n'a pas déségrégué les relations intimes entre les hommes et les femmes. C'est pour ça qu'il, lui, est imprégné de ça en disant, voilà, le dernier tabou de l'Amérique, c'est ça. Alors, François, Jean-Michel Basquiat meurt en 88. Enfin, il nous quitte en 88, j'aime pas ce côté meurt. Il est toujours vivant, les artistes sont éternels. Il nous quitte en 88, il a 27 ans. L'artiste dont on parlait tout à l'heure, qui est Jacob Lawrence, lui meurt en 2000. Selon moi, c'est très personnel, je trouve que Jacob Lawrence est beaucoup plus professionnel que Jean-Michel Basquiat d'un point de vue de la techné, technique, techné en grec, hein, la techné. D'un point de vue novateur et créatif, il n'a rien à lui envier. Pourtant, entre 88, qui est la mort de Jean-Michel Basquiat, et 2000, la mort de Lawrence, on ne parle pas de Jacob Lawrence. A fortiori, Jacob Lawrence était marié avec une femme artiste qui s'appelle Gwendoline Knight. Et Gwendoline Knight, je crois, meurt en 2003. On ne parle pas non plus de Gwendoline, qui était une véritable artiste peintre. On n'en parle pas. Alors, pourquoi ? Est-ce qu'avec Jean-Michel Basquiat, ça s'est arrêté ? Parce que la peinture, ben, c'est moins ludique que la musique de certains, que de Kanye West ou de Rihanna. Pourquoi ? Est-ce que la peinture afro-américaine, c'est fini ? Parce que maintenant, tout ce que je vois, moi, en tant qu'artiste professionnel, tout ce que je vois, j'ai l'impression qu'on est dans la redite, j'ai l'impression qu'on est dans la redondance, dans le lieu commun permanent. À votre avis, qu'est-ce qui se passe ? Je pense qu'on est dans une période depuis la mort de Basquiat, et justement, c'est intéressant de souligner qu'il était caribéen, créole, de sa mère haïtien, c'est qu'on est dans une période de tout monde, dans une période de brassage, où il est difficile d'enfermer à la fois dans une nationalité les artistes, et même dans un art spécifique, de dire voilà, vous ne faites que cela c'est ou exact, que cela. C'est tout à fait exact. Et c'est vrai qu'il y a peut-être une sous-estimation, peut-être le fait qu'on connaisse un peu moins ces artistes que, vous l'avez souligné, les musiciens qui sont des stars mondialisées. Mais en tout cas, peut-être que les Américains connaissent mieux leur histoire et ont appris à redécouvrir leur artiste afro-américain. En tout cas, il y a eu une très belle expo, d'ailleurs, il n'y a pas excessivement longtemps, qui retraçait tous les artistes afro-américains. Et c'est le Color Line. Oui, le Color Line. Au Quai Branly, et qui a fait un vrai bruit. Et ce n'est pas plus mal, parce que ça va peut-être permettre d'ouvrir l'esprit des gens, d'arrêter de parler systématiquement d'art contemporain, d'argent, de street art. Mais aussi, on va peut-être pouvoir se mettre à parler de la véritable fonction de l'art, c'est-à-dire aussi l'expression, l'expressionnisme, savoir crier comme Munch, savoir aussi égayer le monde, mais créer l'espoir et pas simplement un égocentrisme où chaque artiste pense faire un chef-d'œuvre avec le doigt dans le nombril en se disant « c'est fabuleux, j'ai fait un chef-d'œuvre ». En fait, les artistes ne font que se regarder eux-mêmes. C'est pour ça qu'on a parlé de l'art afro-américain, c'est très bien. Il faut mettre en exergue tous ces grands artistes. Il n'y a pas que des grands maîtres comme Picasso, Matisse, Léger. Il y a aussi de grands, grands, grands maîtres, Jacob Lawrence. Je conseille vraiment à tout le monde d'aller dans les bibliothèques, et pas sur Internet, parce que sur Internet, les couleurs sont fausses, mais il faut aller dans les livres d'art et regarder les tableaux de Jacob Lawrence. Merci infiniment, François. Merci. Pour nous, c'est un honneur incroyable. Je crois qu'on ne peut pas imaginer. Nous sommes contents de vous avoir reçu. Ce n'est pas la dernière fois, j'espère, parce qu'on a plein de choses à faire, plein de choses à dire. Avec plaisir. À très bientôt. Au revoir. Merci.